C'est dans la paix et la joie du Seigneur que je vous reçois, chers amis, à ce moment de réflexion, de joie et de bonheur. Le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir et nous sommes contents que la bénédiction du Seigneur repose sur vous, alors que son nom soit béni. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci. Nous arrivons donc à la fin de notre semaine de réflexion. Et nous te disons merci d'avoir été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, sois présent parmi nous, car tu as encore une dernière parole à nous dire pour terminer en beauté cette semaine d'études. Dispose nos cœurs à te recevoir, et que ce moment soit un moment de joie, de bonheur et de bénédiction. Sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus, que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Chers amis, pour vous aider à aller plus loin, je vous invite à lire le livre Patriarches et prophètes, le chapitre Le Temple et sa dédicace à la page 32 à 54. Je vous invite à lire aussi le livre Message à la jeunesse, le titre La musique, une puissance bienfaisante à la page 294. Chers amis, le livre de psaumes comprend 150 psaumes regroupés en 5 livres. Livre 1er, le psaume 1 à 41. Livre 2, le psaume 47 à 72. Livre 3, le psaume 73 à 89. Livre 4, le psaume 90 à 106. Et le livre 5, les psaumes 107 à 150. Cette division en 5 livres est une tradition juive ancienne, parallèle à la division du Pentateuque en 5 livres. Le livre des psaumes témoigne de la préexistence de quelques recueils de psaumes. Les psaumes des fils de Corée, le recueil d'Asaph, les cantiques des degrés et les psaumes du Hallel. Le psaume 72-20 témoigne d'une plus petite collection de psaumes de David. Si la plupart des psaumes sont associés à l'époque du roi David et de la première monarchie, la collection des psaumes n'avait cessé de s'enrichir au cours des siècles suivants. La monarchie divisée, l'exil et la période post-télésilique. Il est concevable que les scribes hébreux, sous la direction d'Esdras, aient réuni les petits recueils de psaumes existant en un seul livre lorsqu'il travaillait à l'établissement des services du nouveau temple. Le fait que des scribes aient consolidé le livre des psaumes n'enlève rien à leur inspiration divine. Tout comme les psalmistes, les scribes étaient des serviteurs dévoués de Dieu et leur œuvre était dirigée par Dieu. Esdras chapitre 7, verset 6 et verset 10. La nature divine et humaine des psaumes est comparable à l'union du divin et de l'humain dans le Seigneur Jésus incarné. Dans le livre de la vie des siècles, page 8, il est dit « Mais la Sainte Écriture, où la vérité s'exprime dans le langage des hommes, nous offre une union étroite de la divinité et de l'humanité. Le même union s'est retrouvée dans la nature du Christ, qui fut à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. On peut donc dire de l'Écriture comme de Jésus-Christ qu'elle est la parole faite chair et qu'elle a habité parmi nous. » Fin de citation. Nous sommes vendredi et chaque vendredi nous aurons une liste de questions à vous poser et vous pouvez, sous la direction du Saint-Esprit, y répondre, soit personnellement, en groupe, en famille ou dans votre église. Commençons donc. Que veut dire le fait que les psaumes soient des prières et des hymnes divino-humains? Comment cette idée, même si elle est difficile à saisir pleinement, nous aide-t-elle à voir la proximité que Dieu veut avoir avec son peuple? Comment révèle-t-elle, à sa manière, la proximité de Dieu avec l'humanité et avec chacun d'entre nous? En classe, en famille, en groupe, discutez d'un moment où vous avez trouvé dans les psaumes une situation qui s'applique directement à votre propre circonstance. Quel réconfort et quel espoir y avez-vous trouvé? Alléluia.
à ces 5 questions, je souhaite vraiment que le Saint-Esprit vous éclaire et vous aide à trouver des réponses qui sauront vous réconforter et vous faire du bien dans votre cheminement avec notre Seigneur Jésus. Chers amis, en résumé, nous avons vu dans l'étude de mardi une clarification générale des psaumes. Il y a ce qu'on appelle les hymnes généraux, le psaume 8, 29, 33, 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145 et 150. Il y a les hymnes historiques, le psaume 78 et 105. Les hymnes de Sion, psaume 46, 48, 76, 87 et 122. Il y a les hymnes royaux, le psaume 47, 93, 96 à 99. Il y a aussi les complaintes, les lamentations individuelles, psaume 3, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 43, 51, 54, 55 à 57, 59, 61, 63, 64, 69 à 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140 à 143. Il y a aussi les lamentations collectives. Psaume 44, psaume 60, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126, 137. Il y a ce qu'on appelle les psaumes royaux. Psaume 2, psaume 18, psaume 20, psaume 21, psaume 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144. Il y a aussi ce qu'on appelle les actions de grâce individuelles. Le psaume 9, 10, 30, 32, 34, 40, 41, 92, 107, 116 et 138. Il y a aussi le psaume d'action de grâce collective. Le psaume 65 à 68, 118 et 124. Il y a aussi le psaume d'espérance individuelle. Le psaume 4, 11, 16, 23, 27, 62, 84, 91, 121 et 131. Il y a également les psaumes d'espérance collective, le psaume 115, 125, 129 et 133. Il y a également des psaumes qu'on appelle les liturgies, le psaume 15, psaume 24 et psaume 134. Il y a également les psaumes d'exhortation prophétique, le psaume 14, 50, 52, 53, 58, 75, 81 et 95. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le psaume didactique. Le psaume 1er, 19, 37, 49, 73, 112, 119, 127, 128 et 139. Chers amis, l'organisation de cette liste révèle que les psaumes sont composés de cantiques personnels et de cantiques communautaires. Alléluia. Dans les psaumes, nous trouvons un large éventail d'émotions qui couvrent toute la gamme de l'expérience humaine, de la révérence sublime à la tristesse abjecte. Bien qu'écrit il y a plus de 25 siècles, les psaumes transcendent l'époque à laquelle il avait été rédigé et restent profondément pertinents pour nous aujourd'hui. Quand nous voyons comment les psaumes sont écrits, et que nous prenons exemple, nous pouvons dire « Quel merveilleux privilège nous avons d'organiser les chants que nous utilisons pour offrir des louanges à Dieu. » Notre organisation de ces chants doit manifester une intention claire d'adorer le Seigneur et d'exalter sa grâce. Alléluia. En lisant les psaumes, nous comprenons cependant que pour les auteurs bibliques, l'adoration n'est pas une activité réservée uniquement au temple. L'adoration est un mode de vie. Alléluia. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire, chers amis, que les psalmistes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les psaumes, ne sont pas des extraterrestres, des robots, des gens hors du commun,
Non, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont vécu un certain nombre d'expériences dans leur vie et qui n'ont pas été toujours faciles, mais elles ont tous un point commun. Elles se sont tous tournées vers le Dieu créateur et sauveur. Alléluia. Vous et moi, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, quels que soient nos cris, nos douleurs, nos souffrances, tournons-nous vers notre Dieu, notre Papa d'amour. Il répondra et viendra à notre secours dans le nom de Jésus. Comme ces personnages, accrochons-nous aux promesses de Dieu. Gardons espoir et que le Seigneur nous bénisse. Et à bientôt pour une nouvelle leçon à la gloire de Dieu. Alléluia, nous prions. Père éternel, nous te disons merci, merci, merci pour cette semaine d'étude. Oh, à travers ces leçons, nous commençons l'année 2024 en beauté. Oui, avec joie, amour, avec espérance, avec force. Nous croyons déjà dans les victoires que nous aurons au cours de cette année 2024. Parce qu'à travers cette leçon, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour persévérer, pour avancer, améliorer notre vie spirituelle avec toi. Même s'il y a des cris, des douleurs, mais tu nous invites à rester attachés à toi, à soigner notre relation, notre communion, notre vie de prière et d'adoration avec toi. Père éternel, si nous obéissons, alors nous verrons de quoi tu es capable et nous verrons des choses extraordinaires que tu vas réaliser dans notre vie personnelle, nos vies de couple, de famille et d'église. Ô Père éternel, inscris dans nos cœurs cette leçon. Et par ton esprit, développe en nous tout ce dont nous avons besoin pour être heureux et pour vivre la vie en abondance que tu nous as promis en Jésus. Merci de bénir chaque personne qui a vécu cette expérience avec toi à travers l'étude de la leçon de cette semaine. Père éternel, visite chaque personne individuellement et réponds à ses besoins dans le nom de Jésus. Guéris, sauve et donne à chacun la victoire au nom de Jésus. Merci d'avoir entendu nos cris, nos aspirations, nos désirs et merci déjà de l'avoir exaucé dans le nom de Jésus. Que toute gloire, honneur et louange soient accordés au siècle des siècles. Amen, amen, amen.